Les gars, comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous-même vous voyez déjà ce qui se passe ici. Si moi je n'étais pas arrivé ici, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il y a un travail colossal, il y a un travail remarquable, il y a un travail impeccable, il y a un travail indéniable qui est en train d'être exécuté ici, dans cette zone-là, parce que c'est une zone un peu reculée entre, entre le Grand Carrefour d'Anyama, que je vais arriver, je vais faire une vidéo là-bas, et aussi le Grand Carrefour des Bempe de l'autre côté. Vous voyez, donc c'est pas évident. C'est à travers la chaîne que vous voyez tout cela. Voilà, donc je vais vous demander de le faire, hein, toujours de le faire, de vous abonner, et puis afin de voir les nouvelles vidéos, les nouvelles publications de cette chaîne-là. Il y a un camion qui est en train de partir avec du goudron devant moi. Je vais vous montrer tout de suite. Que vous voyez là, déjà, là, le déversé de goudron de l'autre côté. Là-bas. Donc vous voyez l'autoroute et je vais en profiter pour vous montrer le stade. Ça va contourner le stade, hein, disons, ça va contourner le stade. Voici le stade de l'autre côté là-bas. Voilà, vous voyez le stade, une partie du stade de l'autre côté et vous voyez l'autoroute, ça va contourner. Il y a l'autre partie qui passe là-bas. Il y a même la circulation. Vraiment, ça c'est... Ça va contourner, vous voyez, déjà devant là-bas. On a l'impression qu'ici c'est pratiquement fini, hein. Excepté quelques travaux de finition. Exemple, ce caniveau là que vous voyez. Voilà, cette canalisation qui a été très bien faite. Vous voyez la canalisation qui a été très bien faite. Et juste à côté du trottoir de la voie. Voilà. Ici, nous sommes sur la partie supérieure. La partie supérieure. Ouais, de l'autre côté la circulation. Oh, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, là vous voyez la circulation. Et là vous voyez l'échangeur. Voilà.
Voilà, donc voici le stade de Bempe, voici l'autoroute que vous voyez là. L'autoroute va contourner le stade, vous voyez, c'est par ici que je viens. Voilà, les vidéos précédentes là, c'est par là-bas que j'ai filmé ces vidéos là. Et là, on vient terminer en face même de, disons, on vient passer en face même de, du stade de Bempe. Parce que ça continue, hein. Ça continue jusqu'à au grand carrefour de d'Anyama, où je compte faire une vidéo aussi pour vous montrer les travaux, la finition des travaux là-bas. Voilà. Et ici, ça va à Ndotré. Cette voie-là mène à Ndotré. Mais si l'autorité, cette voie-là est terminée, les voitures, tous les véhicules passeront par ici. Bon, pas tous les véhicules, hein. Il y a certains qui passeront par ici. Il y a d'autres qui passeront de l'autre côté, voilà, pour pouvoir rendre la circulation un peu plus, j'allais dire, dégagée, fluide, pour ne pas qu'il y ait de l'embouteillage. Voilà, les travaux continuent par là. Est-ce que vous voyez les travaux? Dites-moi si vous voyez les travaux. Et là, c'est le stade. Vous voyez la voie là, non? C'est par ici. Ça bouge de partout. Ça bouge de partout. Vous voyez le stade de l'autre côté ici. Je vais faire une vidéo ici. Le stade. Voilà, c'est tellement beau de voir cette voie nouvellement bitumée, nouvellement faite large, hein, tout près du stade Alassane Ouattara de Bempe. Vraiment, c'est un réel plaisir pour tous les Ivoiriens, pour tous les Africains. Voilà, maintenant ceux qui sont écrits là, ils viendront avec leur message piton, leur message à deux balles pour pouvoir venir distraire les gens. Mais je pense que le bien va toujours dominer le mal. Ça, c'est clair. Merci.